On les pousse à développer vite, à faire vite, à faire de la quantité et pas de la qualité. Et ça, il y a certains jeux qui se démarquent. Heureusement qu'il y a encore certains jeux qui se démarquent et certains jeux qui arrivent à être très bons. Mais par rapport à la quantité de jeux qui existent, franchement, la quantité vaut pas la qualité. Plus tu sors de jeux, moins ils vont être bons, c'est sûr et certain. Contente-toi de faire un jeu de temps en temps, mais un bon jeu. Tu vois ? Parce que sortir 10 000 jeux, et puis sur les 10 000, il y en a à peine 100 qui sont bons, fait chier, quoi. Enfin, moi, j'aime pas trop, quoi. Mentalité, mais bon. Tu gagnes l'heure si tu sors, quoi. Des innocents prisonniers de la sorte. Ah bon ? Alors, de nombreux employés se sont plaints. C'est pour ça que je dis ça. Ok, ok. Je gagne de l'honneur quand les employés, quand je libère les employés. Ouais, mais je suis pas sûr, parce que des fois, j'ai voulu libérer comme ça, puis c'est parti en couille. Parti un peu en tuerie. En folie meurtrière. Parti un peu en folie meurtrière, et du coup, c'était compliqué. On va boire un petit coup de rosé, ça va nous faire réfléchir. ABCD Azerty. Et toi, à quoi tu joues, ABCD Azerty? Azerty était déjà pris, c'est pour ça que t'as mis ABCD devant. J'imagine, hein. On va aller voir Dutch. On n'est pas des Allemands, Dutch. Pourquoi j'aime bien faire cette blague de mauvais goût. Des journées très longues, par exemple. Et si t'es pas content, et quand tu dégages... Ah ouais, mais ça, on l'a... Ouais, ouais. On a que les croches, tout ça, c'est appelé les croches ou les... Un truc comme ça, non les... And considering a famous chess move. Those oily and fini Red Dead il y a deux mois. Pas vraiment parce qu'on n'a jamais vraiment fini avec Red Dead. Non, j'adore Apex. T'adores Apex? Azerty, t'adores Apex? Moi, je suis plus Halo que Apex ces derniers temps. La communauté d'Apex m'a dégoûté du jeu. C'est-à-dire que je passe pas des bons moments sur le jeu. Apex est bon. J'aime bien le jeu Apex, mais le fait de jouer tout le temps tout seul, la communauté m'en a dégoûté et je m'amuse plus du tout. J'ai pas envie de jouer à un jeu pour être haineux, pour insulter tout le monde comme trop de gens le font. Ça sert à rien. J'essaie de monter diable sur cette saison. Une nouvelle saison. La nouvelle saison est top. Ouais, moi j'arrive. J'ai pas le temps de monter. Moi, j'ai jamais dépassé l'heure en jouant énormément, du coup, ça m'a frustré. J'étais frustré d'Apex parce que le fait de jouer tout seul et il y a 75% des parties que je fais, tu drops, tu meurs, tu drops, les mecs partent tout seul, ça crève, ça se joue pas en équipe, c'est insupportable. C'est pas un jeu à tryhard solo avec des randoms. Les gens n'ont rien à carrer. Là. C'est trop frustrant, c'est trop punitif, c'est trop. La dette pour ça, c'est sans prise de tête. C'est shield. Et ça détend. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Là, Dutch, il est en train de me dire que. I just need time. Il a besoin de temps. I need time. Il a besoin encore de temps. And no traitors. J'ai un chapeau avec un trou au milieu, quoi. Lol. T'avais pas vu que j'avais un trou au milieu de mon chapeau, comme si j'avais pris une balle. Regarde. J'ai pris une balle en pleine tête, en fait. Avec ce chapeau-là, sans doute. Alors, j'ai pas tout suivi ce qu'il m'a dit. Mais je sens que... De toute façon, ce mec-là, la Dutch, là, je le sens de moins en moins. Il va me claquer dans les pattes ou il va me faire un coup de... Viens avec moi. Charles. Il va me faire un coup. Where are we headed? Up past Butcher Creek. It's Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. I understand. Ah ouais, prendre la dynamite! Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des viewers quand on stream. Pouvoir apporter du contenu extrême aux meilleures personnes qui existent sur cette planète. We'll see.
Du vieux Charles. Another way. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me et claque ton prime parce que je suis wanted. Follow me. Tu prends ce genre de... Ok, il est où mon José, moi? Mount up, then. It's a fair ride for me. Non, je vais prendre mon José à moi. C'est pas mon José, lui. I thought we were leaving now. Oh, mon José, il est là, en fait. Come on, girl. Come on, girl. Ah, petite musique, tout posé, là, on rentre dans le vif du sujet, là. Faut qu'on se dépêche, là. Pink Pokémon, attrapez-les tous. Ok, aucun rappeur. C'est quite un ride up there. I saw some canoes near the bridge up river, which would take us right up to Butcher Creek. Might be quicker. Le pont de la rivière Kick. Prendre un canoë. Yeah, a boat's probably a good idea. Ok, good. Il dit ok, puis des canoës sont à gauche, on y va pas. You too. You too. For what you did in Saint Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow. Abigail! Abigail, if I could finish, gonna get one again. Where the fuck, man? The others out of there. Keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. It was a tough. Là, c'est la 12e fois que je joue à Red Dead. Je sais pas où j'en suis. Je suis à moins de 70% de progression total. Pourtant, j'ai fait beaucoup de choses en aparté, on va dire à côté des missions principales. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time, and it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Oh, not exactly. An island off of there, called Guarma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Hey, you're right. Just... It's been, Guess I just miss Hosea and his, wisdom, you know? Of course. Of course, of course. En tout cas, il pleut beaucoup en ce moment dans le jeu là. There's the bridge. There should be some canoes down to the right here. Ah d'accord, c'est à partir de désormais que... Ok, ok. Certainement. Well, I see one anyway. That'll do. Come on. Monter dans le canoë. Avec José. Non. Avec Bobby. Avec Charles. Charles Ingans. C'est bien qu'il puisse monter dans le canoë au final, mais tu sais. Ok. Butcher Creek est à quelques miles upriver. Donc j'ai passé un peu de temps up this way while you were gone. I ran into rainfall and eagle flies. The Indians? And I've been trying to help out a bit where I can at the reservation. Things are bad there. That's not a surprise. They seem to be in a... Ouais, on n'est pas rendu, hein. C'est quoi cette session Koh-Lanta là, on n'est pas rendu, hein. Murphy gang that hides out in these caves. We're gonna need to be careful. They're animals. Everyone is terrified of them. Great! Dutch didn't mention this. Well, hiding up here, it's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law.
Just be ready. It won't be pretty. So be it. Ça va être compliqué là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Oh, Lizzie, la foutoise, comment ça va? Bonsoir, bienvenue, hello, welcome. Positionne-toi, comment ça va, hello? On fait du canoë. On avance que dalle. On fait du canoë avec Charles. On est en mission coucoute. Comment ça va? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Comment allez-vous? Là, on est à contre-courant ou quoi? Parce que c'est vraiment galère. Hein. Ah mais non, mais en fait c'est moi. C'est moi, non, c'est ma faute. J'ai oublié d'appuyer sur un bouton. C'est les gens du coin, d'accord. Ouais, on est un peu en train de pagayer sur la vase, là. Regarde, l'autre, on va continuer à pied. Ouais, non, mais bah, moi, non, en fait. Moi, j'ai pas envie de marcher dans la merde, quoi. Bon, bah, apparemment... Ah, d'accord. Alors, je fais exprès de monter sur la berge. Ça va, papy? You know the way to Beaver Hollow? Come on, they're not gonna help us. I'm pretty sure it's to the north, up the road here. Ah bon, ils vont pas m'aider? Mais comment t'es sûr qu'ils vont pas m'aider? Bah, depuis lundi, quoi, lol. Ah. Ouais, c'est vrai, depuis lundi, on vous a pas beaucoup vu, lundi. Ça va, mais KO? Ouais, moi aussi, je suis KO. Moi aussi, je suis déchenillé de ouf, là. Je commence à avoir faim aussi, je commence à avoir tout, il y a tout là, il y a tout ce qui se passe, on est au milieu de la semaine, je suis éclaté. Au milieu de la semaine, je suis éclaté, là, ça bosse de plus en plus, ça c'est de plus en plus... C'est de plus en plus intense, là, le taf de mon côté, du coup, de plus en plus, je suis éclaté. J'ai encore manipulé des charges toute la matinée, là, je peux te dire que j'ai les bras éclatés. Je suis explosé, je commence à être fatigué mentalement. Je commence à être fatigué physiquement, je pense que je commence à être fatigué quoi. Je pense que après Red Dead, je vais me faire une petite soupe et au lit quoi. Une petite soupe et hop. Bon. Retournons dans notre activité principale. Qui est... Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi j'ai l'arc autour de moi? J'ai pas compris que j'avais mon arc. Vas-y, on peut courir ou pas? Parce que j'en ai marre un petit peu là de marcher lentement là. C'est bien ça, mais ouais, pourquoi les gens veulent pas venir ici? Pas très accueillant, c'est sûr. Bah ouais, carrément. Par contre, que beaucoup de gens n'en sauraient jamais. Les gens, je me demande. Ils ont disparu sans laisser de traces en passant par ici. Okay. C'est sûrement bon pour nous, mais il faudrait que ces fumiers de consanguins dégagent de là. Les gens du sud, très certainement. Et je suis sûr que ça va pas leur... Non, mais ils doivent se cacher. Les grottes ne sont qu'une de leurs planques. C'est ça qu'on devrait parler moins fort. Y'a pas de pareil, bah ferme-la alors. Moi, je te réponds au final, quoi. Tu me parles, je te réponds. Bonjour, l'Indien. Il est marrant, lui, il me dit... Faudrait peut-être qu'on parle moins... Faudrait peut-être qu'on parle moins fort, ok? Non, mais connard, quoi. Tu fais Charles. Ah bon? Je crois que je fais quoi? Je fais quoi depuis tout à l'heure là? Que je suis aux champignons? Les gars hurlent dans la forêt, ouais. Les gars hurlent dans la forêt. Ce genre de deux types. C'est l'histoire de deux types, dont un qui est mieux que l'autre. Regarde mon perso, on dirait un petit peu Robert Redford.
J'ai fait une coupe, là, il y avait Garagol, on est passé... Garagol a trouvé que j'étais beau, depuis que je m'étais coupé la barbe et coupé les cheveux. Et Arthur était beau. Et on dirait un peu Robert Redford, là, j'ai un... Et puis j'ai changé de chapeau, par contre j'ai un trou de balle. J'ai un trou de balle sur le chapeau. J'ai un deuxième trou de balle. J'ai un trou dans mon chapeau. Je sais pas si tu vois, regarde, on voit un peu là au-dessus, il y a un trou. Et t'as le pli comme ça, là, il y a un trou, parce qu'en fait, le chapeau, je l'ai pris de sur une personne que j'ai mis une balle en pleine tête, et j'ai récupéré le chapeau. Et ça fait partie des chapeaux qui sont assez rares, exceptionnels, en fouillant une maison. Bah alors, je me suis coupé la barbe et coupé les cheveux. Mais il a toujours les yeux rouges, le perso, je suis toujours malade. Arthur est toujours malade, il sent la faim arriver, il a une odeur de vase. L'odeur de... Tu sais, collecteur, le couvre-chef. Ouais, c'est ça, c'est un chapeau, ouais. T'as vu les screenshots ou pas sur Discord? J'ai fait les screenshots où j'ai trouvé un phare. J'ai trouvé un phare où il y a de la pêche légendaire à faire, et j'étais en haut du phare. Et je suis rentré dans le phare à on. Il voit la lumière au bout du tunnel. Ouais. Ouais, mais non. Non, j'ai encore envie de contrôler Arthur. J'ai pas envie d'avoir la lumière tout de suite, moi. J'ai beaucoup de choses à faire, moi, avant de voir la lumière, là. Ça m'intéresse pas de voir la lumière. C'est pas un truc qui m'intéresse, voir la lumière. Par contre, c'est long, là. Hein. C'est vraiment long à ce point-là, comme ça. On peut pas... T'es sérieux? Attends, c'est vraiment long à ce point-là, quoi? Richard, mais attends, t'es sérieux? C'est une longueur, cette session-là? 30 km à pied, ça use, 30 km à pied. Ça use une session streamée. On fait trop de bruit encore ou c'est quoi le projet là? Toi tu marches dans une flaque d'eau. Hein. Ouais bah ça a pas l'air de trop le déranger. Hein. Il me dit suivez Charles. Ah! Ah! You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. Ah j'ai acheté un nouveau flingue aussi, il est stylé, il a des gravures dessus. Des gravures un peu de poker, là, t'es les logos du poker, cœur, trèfle, pique, tout ça, c'est trop stylé. Mais Charles, ouais, mais je suis Charles. Il faut mettre son bandana. Moi, je vais mettre le bandana quand même, on sait jamais. Comme dans les clips de Michael Jackson. Les voyous en bandana. Parce qu'est-ce qu'il s'organise? Lui, il a le Tomahawk, je suis avec Charles, le dernier Mohican. Allez par là-haut. Ok. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, ça va pas avec la musique. Essaye un truc, mais vocalement, j'étais pas dans le fond. Attends. J'ai un peu. Ah, c'est le mec qui. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one. Attends. Émile, il rouge son demain. Ouais, mais sans faire de bruit aussi. Ils sont où mes trucs de lancer? Je peux pas. Par à cœur, couper. Ok, j'étais pas sûr que je puisse le lancer, le couper. Je peux le récupérer ou pas? Attends, prendre. Ah non, 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 non. Ah voilà, c'est ça.
Non, lâchez, putain. Non, mais je voulais récupérer mon couperet, moi. Okay. Non, fouillez, putain, le con. Donc il avance ou pas? Non, c'est bon, il avance pas, McGregor, ma couille à cheval. C'est bon, c'est bon. Ouah, j'ai lancé le couperet dans le dos, tac, ça s'est planté, mon pote, comme dans un jambon. Comment ça, il y a un troisième truc? Il y a un troisième mort? Qui ça? Inconnu. Et lol. Il y a un troisième mort, là. Rejeton de machin. On va rester avec la hache, hein. Apparemment, ça paye. Hein. Peut-être prendre les guns en marquant. Là, c'est celui-là. Ah merde, cinématique. Ah, j'ai l'arc, j'aurais pu tirer une fléchette aussi. Okay. Pas une fléchette, une flèche, quoi. Vas-y, t'as de jolies jumelles, Bobby. Les jumelles du pêcheur. Jesus. Oh! They must be in the cave. Alright. Let's get on with this. Okay. Voilà le corps d'un type. On parlait dans Diablo 12. Se faufiler, utiliser de la dynamite, se faufiler. Bah moi, je prendrais bien de la dynamite aussi, j'ai envie de me marrer. Est-ce que je vous de la grotte? Ah ouais, vas-y, on va tout faire péter la dynamite. Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît, la dynamite. La dynamite. Approchez-vous de la grotte. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Je vais regarder l'autre, il est. Go on, Arthur. What the fuck, le corps, le bras, rien. Tout un bordel. Merde, hey. Il va me voir. Dynamite, Arthur. Pense à la dynamite dans la grotte. Ouais, bah écoute, ok. Tiens, rah! Et ça dégage. Ouah, ils sont tarés les barbeaux là. Quoi, faut faire quelque chose? Ils reviennent ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Moi je fouille, hein, il fait quoi, Bernardo là? En tout cas, c'était un bon bordel la dynamite là. Au bon Maltin, c'est de la dynamite, les mecs ils se sont envoyés en l'air. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont fait un... Il y en a un qui a fait un airtime. First drop, on l'appelle. Ou non, last drop, plutôt. Je pense qu'il faut que j'avance, hein. Ah ouais, il a plus de teuté, lui. Putain, il avait plus de gueule, lui. Il a rejoint l'âme des... Le paradis des hommes totems, c'est ça, garde. Arme de poing, revolver, le flambeur, il s'appelle. Il est beau, hein. Tarés les gens ici. Hein.
Fais dodo! Ils ont la tête dure, les enfoirés, hein. C'est bon, ils donnent des balles déjà, c'est pas mal ça. Et lui, il est dans la tôle. Ça crie, dis donc. Touch my tralala, elle a dit. Don't touch me. My lily pop. N'importe quoi. C'est rigolo par là. Oui, ici. Peut-être que je la sauve, remarque, madame. Dis-moi, j'arrive. Calmez le jeu. Calme-toi, calme-toi. It's okay, miss. Ouvrez la cage. Just calm down. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Ah mais elle est jeune en fait. C'est pas une vieille brebis égarée. C'est une jeune vierge. Du signe astrologique, attention. Oh là, elle est restée trop près du feu. J'ai les yeux rouges comme si j'avais fumé ce genre de pétard. Ce genre de douze feuilles. Annisburg. What do we do with her? Take her there and go to the others. Sure. Chercher les autres. C'est la cave de l'ancêtre de Marc Dutroux. Yes. Et il y en a qui disent qu'il portait bien son nom, Dutroux. C'est une blague de mauvais goût. I'll keep you safe. Oh là là. Elle a un problème aux yeux, non? Elle a un regard un petit peu diagonal, non? Elle a les deux yeux qui sont diagonales. Yes. It's okay. J'aurais bien fouillé les barbeaux, mais t'as vu, j'ai réussi à faire gaffe de pas trop fouiller. Je fouille trop dans le jeu. Je me retrouve avec, je vais bientôt avoir 6 000 $ quoi. En compte, j'ai 6 000 $ sur moi dans le jeu là. J'ai un niveau d'osé qui est incroyable. Par contre, on va peut-être donner un truc à José. Là. Il mange une pomme, José. Voilà, prends ta petite pomme, ma cocotte. Voilà, c'est bien. On demande beaucoup depuis tout à l'heure. Je t'ai pas donné beaucoup à manger en même temps. Elle pleure, madame. Mais attends, t'es pieds nus. Elle a les rideaux du salon sur le dos. Elle a la nappe du dimanche, du repas en famille. Sur le cul. Oh, les rayons du soleil, tout rétrécine, DLSS, FSR, carte graphique à 5 000 € là pour faire tourner ce jeu, franchement. Incroyable. One of the mining cottages. T'es obligé d'avoir un PC à 10 000 € pour faire tourner ce jeu, quoi, t'imagines? Ok. Just try to relax. Cave de Marc Dutroux, nous dit Lizzie.
Là, t'as passé une dure journée, Lizzie, parce que je crois que t'as des repères là qui sont... Tes repères sont partis, Lizzie. Tu n'étais pas comme ça, on t'a jamais connu de ce style de... C'est flou, quoi, c'est flou. Allez, à Annasburg. Ok, ok, on va y aller, ouais. Allez, regarde aux choses, c'est parti. Hey, cowboy. Oui, oui, oui. Ah! Just head for the main street. La famille de Bambi. It'll be easier to walk from there. Hop là, t'es bien attaché. Elle est bien attachée derrière, madame. Ah ouais, je me souviens de cette zone-là. Bah au moins c'est parlant, lol. Ouais. Ouais, même un peu trop, parce que c'est blessant aussi même. Enfin, c'est parlant, c'est... Ah, ah. Yes. Oh. Meredith, elle s'appelle Meredith. Qui t'a dit? Qui s'appelle Meredith maintenant, à l'heure actuelle, en 2024? Est-ce que tu crois que c'est un prénom qu'on donne encore à une petite fille jeune, qui vient de naître? Mais toi aussi, quoi? Ton stream est flou, lol. Mais ça vient de Twitch. Ton stream est flou? Ah non? Ça marche bien, normalement. Murphy Group guys. Oh my god. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here. 5 U. 5 U. Refuser, accepter. Bah, j'accepte. Hein. J'accepte parce que je suis quand même pas venu okay. pour. Thank you. That's mighty kind. Attends, c'est normal, j'ai risqué ma peau quand même, quelque part. Si tu es en 360p. Quoi? Mais non, mais remets-moi en 1080p, t'es fou, toi. Remets-moi en 720 ou 1080p, non? Ah mais tu sais pourquoi? C'est parce que à cette heure-là, du coup, il y a tous les gros influenceurs streamers qui prennent de la bande passante et du coup les petits streamers crottes de nez qui sont ignorés, qui sont pas regardés comme moi et peut-être qu'ils nous mettent, tu sais, ils nous foutent sur la bande d'arrêt d'urgence ou Twitch peut-être c'est Twitch, hein. Peut-être c'est Twitch qui nous chie dessus vu que on leur apporte pas d'oseille parce qu'on n'est pas là pour le pognon, on est là pour le fun, pour la bonne humeur, pour le plaisir, pour l'entertainment. La réalité, le vrai. Le vrai. Le mec fait ça en même temps, quoi. J'ai que 160 ou 360. Lol, c'est vrai? Arrête, OMG. Attends, je regarde tout de suite. Y a pas moyen de mettre une qualité... Non, c'est un Wi-Fi qui est comme ça. Non, 1080p, ça fonctionne, hein. Tu vas pouvoir mettre un 1080p aussi, non? T'es sérieuse? Hey, je me mettrais... Non. Oh, you and Mike non, non, non. Anything? Maybe. C'est ton réseau, ça, maybe. Non? Chez moi, ah ouais? Bah moi sur PC je peux, ouais. Drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back Who and are you? Drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am in him. I ain't her. Well, he's tired. All right. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? I told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, shoot me. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so big now, me. What? You calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Not so big now. Elle est bourrée, non? Ouais, elle est possédée. You... Ah! She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Oh, c'est Gronibar qui l'a démonté, coup de pompe dans la gueule. Gronibar lui a mis une cartouche. Quit your lies. Cessez de lambiner, bande d'enfoirés. OMG, elle est bourrée. Je pense qu'elle est possédée. Moi, je pense qu'elle était pas bourrée. Elle était peut-être secouée ou... Chapitre, quoi? Chapitre 6. Beaver Hollow. Ouah, coup de guitare nucléaire, tout. Guimbarde électrique. Quoi, ce bordel? Game over. Ouais, carrément. Pour toi, l'aventure s'arrête là. Les tribus... Les... Comment dire? Ouais, la tribu des Nahuatlandes a décidé pour vous. L'aventure s'arrête. Ah!
C'est ça. La tribu des Kikoulol. Oh, tiens, rap, mon gauche. Tuberculeux. Oh putain, la clope, ça tue, hein. Mission 1. Oh lol, elle est... Attends. Ah, mais j'ai mis trop de temps, tu sais quoi. Je sais. Amener Meredith à sa mère en moins de 2 minutes, ouais, ça, je m'en disais. 15... Ah putain, j'ai pas fait 15 têtes, à tous les coups, j'ai dû faire 12-13 têtes, quand maximum. Terminé avec une précision d'au moins 85%. Ouais, non, la précision n'était pas là, vu que j'ai un peu joué. J'ai joué un peu au fusil, j'ai joué un peu au pistolet. Ah, mais je suis dégoûté, parce que tu sais que ça et ça, j'aurais pu le faire. Ça et ça, j'aurais pu les avoir en argent. Ouais, non, mais bon, c'est fait exprès pour qu'on recommence la mission, pour qu'on... C'est sûr et certain. Paris 30 000, Paris 15 000, Paris... Claque ton prime, je suis wanted. L'autre est brasse, hein. Et brasse. Regarde. Ah, il sonne fort. Ah, il sonne fort à la porte. Quand le livreur est arrivé. Et la sentence est irrévocable, c'est ça. Et la sentence est irrévocable. Exactly. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Ok. Et je devais aller voir Henri Lemieux. Je veux pas aller voir Henri... Oh tiens, c'est quoi ça? Sadie Alder. Hey, Sadie. Na. Sorry. Non, c'est pas ça, mais bon. Charlotte aux fraises. ED209. Ça, c'est dans Edit Down. Je sors un tas de répliques. Pas tout le monde comprend ce que je dis. Hein. Même moi, je suis pas sûr. Pas sûr d'avoir été clair. On va aller voir Edit. Edit Down. On va aller voir Edit. Vas-y, let's go. Let's go, Edit. So you think... Pas maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que ma chemise est belle? Si je dois être honnête avec toi, ça te change un peu, quoi. Après, remarque, elle est peut-être plus propre, quoi. Ouais, t'as vu, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai trouvé une chemise très propre. Ouais. Ouais, c'est ça, mais attends. Attends, je tousse un peu. Tends ta main, je te crache un bout de viande. Mais bon, j'achèterai pas la même que toi. C'est de faire un peu de social, ça va passer. Il a été blessé. Alors du coup, on est dans notre énième camp. Mais on a fait au moins 4 camps, là, depuis que je joue à Red Dead. On a fait 4 camps de... 4 camps... 4 bases, 4... tu sais. Cataclysme. Catatonique. Amélioration, artisanat, tiens. Est-ce que je peux améliorer un jour le truc? J'ai jamais pu l'améliorer. Le feu de camp, je peux pas l'améliorer? Ben non, je peux toujours pas l'améliorer, parce qu'il faut des trucs que je... Ah, en fait, c'est ça. Ah, pour améliorer, il faut que je chasse, faut que je fasse un tas de conneries. Faut que je chie dans les sacoches. Ok, vas-y. Quartier de John. John 117. Oh, l'autre, il a craché. Hey, oh, Crackman. Calvici, Calvas. On va l'appeler Calvas, lui. Lui, c'est le descendant de Junio. C'est le petit fillot. C'est le petit fillot. C'est le grand, l'arrière-grand-père de Gérard Junio. Calvas. Calvas les flots. Tu connais Calvas les flots? Tiens, brossé. Calvush. Ouais, c'est pas mal ça aussi, Calvush. Faudrait que je mette ça dans mon titre la prochaine fois. Calvush, si, c'est un bûcheron. Calvush, si. Calvush, si ou Calvush, si? Calvush est constipé. Calvush, si, parce qu'il est constipé. Non, faudrait qu'on trouve un truc comme ça. Calvushi, ouais, c'est ça. Non, c'est n'importe quoi ce strip, ça part en roue arrière. Je fais des roues arrière avec mon José. Calvush sur la bouche. Calvush sur la langue. On est fatigué, non? Ouais, de ouf. Ouais. Poussé à bout. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau, dit-il. Il est au bout du rouleau. Ah! Il fait demi-tour, José. Attends, je veux juste regarder un truc. Qu'est-ce qui s'organise?
Et les screenshots sont beaux quand même. J'aime bien mon petit screenshot de... Je veux dire, de la tour Eiffel, du phare. Ouais, t'inquiète pas, Izzy. T'inquiète pas, Izzy, on va refaire du Planet Coaster. Ça te manque un peu, je pense. Moi aussi, hein, moi ça me dérange pas de refaire du Planet Coaster prochainement. Je pense qu'on va faire du Planet Coaster. Par contre, la semaine prochaine, là, il va y avoir encore un live vendredi. Vendredi, on est encore en direct. Normalement, vendredi après-midi, on va être en direct. Hein. La semaine prochaine, ça se peut qu'il y ait des lives très tard le soir. Hein. C'est-à-dire que le live commencera pas avant 22h la semaine prochaine. Hein. Ça se peut. Hein. Ça se peut que des streams soient pas avant 22h la semaine prochaine. Hein. Ça se peut. C'est con pour ceux qui se couchent tôt. Et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis pas là. Je suis pas là toute la journée. J'ai pas des horaires de bureau, quoi. Donc, du coup, je peux pas. Non. On verra, on verra, on va essayer. Si ça se passe bien, on va essayer lundi. Lundi ou mercredi, on va essayer des petits lives dans la soirée. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, je verrai. Hein. Genre en fonction de moi aussi, parce que ça se trouve, je serai pas capable. Ça se peut. J'aime bien Red Dead. Planet Coaster ne me manque pas tant. Ah, ok. Ok, ok. Non, mais je sais que... Comme je dis souvent, les gens sont beaucoup habitués. J'ai beaucoup habitué ma communauté quand elle est là et quand elle m'oublie pas, quand elle vient me voir. Merci à vous, d'ailleurs. Je tiens à le notifier. Je l'ai beaucoup habitué à Planet Coaster. Du coup, quand j'y joue pas, j'ai tendance à croire que ça plaît pas. Ou ça plaît pas ou ça intéresse pas. Et c'est moi qui dis j'ai tendance à croire, attention. Ouais non, moi je regarde, je peux avoir le multi qualité, hein, je peux changer la qualité du stream normalement. Bon, il est vrai que si tu normalement tu peux regarder en 1080p le live, mais si tu veux pas prendre beaucoup de ressources ou si t'as pas un débit, tu peux le mettre en 700 en 720p, mais bon, c'est pas conseillé. Moi, je conseillerais, si t'es sur un PC, je conseillerais de regarder en 1080. Par contre, si t'es sur téléphone, en 720p, normalement, ça passe très bien. Ça devrait passer largement en 720p sur téléphone. Si, je suis coupé par là, moi, qu'est-ce que tu... Hey, mister. C'est nouveau ici, c'est une scierie, hein, comme hey, je disais. C'est une scierie, au début, je croyais que c'était une mine. Mister. Un fusil, toi, en plus, Bobby. Got your hands full there. Mais un petit quoi? Un petit Project Cowboy? Ça serait drôle. Tu as déjà fait ça? Ouais. Non? Non, c'est pirate que j'ai fait. J'ai fait pirate, j'ai pas fait cowboy. J'ai pas fait du tout un parc cowboy, non. Non, j'ai jamais fait de genre cowboy. Ouais, mais je préférais faire une attraction cowboy. J'ai fait le train de la mine, j'aurais voulu faire une sorte de train de la mine. Mais avec le style vengeance de... Tu sais, le style vengeance... attends, parce que là, je fais de la merde, là. Faut que je monte. Faudrait que j'attache mon cheval. En fait, je vous ai parlé. Avec le style vengeance, là, tu sais, un RMC. Un RMC coaster, là. Un wooden RMC. J'ai fait le style vengeance en train de la mine ou sur mon projet Pirate Park. Oh lol, j'ai fait un moonwalk, là. C'était vraiment stylé. Bon, après, je me suis pas... Oh là là. L'eau, regardez, l'eau, il y a du pétrole dans l'eau, là, on voit. Hein. Ils ont reproduit l'essence, le côté météore de l'eau. Le fait qu'il y ait des produits chimiques dans l'eau, tout là. Regarde. Putain, mais c'est trop stylé. Eh, c'est trop bien fait. T'as vu l'eau, là? Attends, je me permets de m'arrêter sur un détail encore, là, du jeu, mais... OMG, quoi. Regardez ça, les amis. Là, c'est les eaux usées. Les eaux usées qu'on rejette. Que le... Regardez, t'as vu la qualité de l'eau et tout? Mais c'est incroyable. Tu te souviens de mon parc Cottonwood? Ouais, je m'en souviens de ouf. On avait vu les screenshots, ouais. Regarde, en fait, il y a les eaux, tu vois, les eaux usées. Et regarde, il y a le côté météore qui est remis sur l'eau, comme s'il y avait de l'huile, du carburant ou des produits. Attends, il y a un truc qui survit là-dedans, là? T'es sérieux? Mais tu peux pas survivre, là, petit... Bon, tu survis, petit serpent. Couleuvre d'eau du Nord. Je peux les avoir comment, les couleuvres? Tu penses que c'est en pêchant, je peux avoir les couleuvres ou pas? Faut pêcher pour les avoir ou pas, les couleuvres? Comment je fais si je sors ma canne à pêche? Choisir un appât. Non, pas d'appât. Je vois.
Vous ne pouvez pas lancer ici, l'obstacle vous gêne. Ah. Il faudra la part. Mais je peux pas pêcher ici. Sans appât. Ah! Il me faut un appât absolument! Vas-y, casse les couilles. Hein. Moi j'aurais bien mis un coup de pompe dans la gueule du. On peut pas l'avoir au. Tiens! Bim! Moi je l'ai démonté au coup près le snake! Yorra! Ça dégage! Moi je l'ai découpé! Il a pris un coup de. Hey! PGM! Ce genre de lancer, j'adore, je kiffe! Ah ouais, je kiffe à mort. On va se manger une petite boîte de petits pots en conserve, tiens. Hey friend! Ah, my friend! Je vais manger un truc. C'est quoi ça? Bonbon à la menthe. Ouais, demain. C'est de riz. Voilà, nickel. Non, un truc de ouf! Mais oui, ce jeu est dingue! Non, mais ce jeu est complètement dingo de ouf. Ce jeu est dingo de malade. C'est une prouesse technique. On en parlait avec ABCD Azerty qui est passé nous voir. Je sais pas s'il est encore là. Mais lui, il avait soupçonné le fait que les employés étaient plus ou moins maltraités pour travailler à des. Ils ont été plus ou moins maltraités. Il est où le. Mais attends, je dois aller voir qui moi. Il est là-haut. Calmez le jeu, mec. Faites attention. Hein. Oh, ils sont rouges. Ça part en couille, ça part en. Quoi? Non mais je suis en train de perdre de la réputation, mais pourquoi? Fallait pas rentrer par là. Oh mais là je vais crever ici. Possible. Donc du coup les employés avaient été plus ou moins maltraités, enfin pas maltraités mais dans des conditions. Ils ont travaillé dans des conditions qui étaient incroyablement ouf. Enfin bitch il a dit lui. Il veut du ciel, il veut du soleil. Il veut du soleil et de la plage. Ah merde. Bon José, viens là mon José, faut que je me tire d'ici. Pas de prime. Recherchez pas de prime. Ouais mais je suis. Get away! Pas manger ça ou viande filandreuse? Pourquoi je peux pas la manger? La viande est. Ah, t'es pas cuisiné, putain de bordel! Donne-moi ça. Viens, José, vite! Mais non, mais t'es sérieux, j'avais une quête ici et. Allez! Oh là là, mais ça me fait chier. Mais je cherchais comment rentrer dans le. Oh là là, quel enfer. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il me fait? Vas-y, monte, José. Et putain, c'est quoi ce bordel? Oh, mais quel bordel. Quelle tristesse quoi, José il peut même pas capable de. Il est pas capable de monter quoi, c'est pas un bouquetin des montagnes rocheuses de la Pampa. Ah me dis pas que t'as plus d'énergie José, non. Fais pas le coup Voilà. Ok, ça marche que dalle, trop bien. Énergie. Autorité à votre recherche. Du coup, j'ai pas de prime ni rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce guet-apens? Je peux pas.
On va faire cette quête là, au final. Moi, je suis d'accord avec eux. Je suis peut-être passé par un endroit où il fallait pas, mais dites-moi les choses aussi. Expliquez-moi, informez-moi. Il y a un moment où. Tu vois? Il fait par là tout seul, lui. Hey, partner. Yeah. Bon bah, je vais essayer d'y retourner, mais faut que je fasse gaffe, quoi, parce que j'étais pas au bon endroit. Hein. J'avais pas mon bandana, non? Parce que j'aurais peut-être pu me prendre pour un bandit. Ah, dans un endroit avec un bandana, je pense que ça le fait pas, tu vois. Pas compris ce qui s'est passé. Après, il est vrai que j'étais dans la précipitation, du coup, je m'en mêle les... pas les pinceaux, mais je m'embrouille dans les choses que je... qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux étudier, là? J'ai pas compris. Ah oui, on a dormi dans cette maison-là. C'est une maison bleue. Voilà, en l'occurrence, elle est un petit peu rouge, mais bon. Adossé à la montagne. Na. C'est pas au jeu. Je sais pas si c'est vraiment ça les paroles, mais bon, je chante ce que je veux. Bon, je retourne ici. Ah, prime! Ah si, j'ai une prime! Merde, j'ai une prime. J'ai une prime sur le dos ici. Merde. Ah, faut que j'aille la payer là, quoi. Ah bah non, je peux la payer là, tiens. Vas-y, on va aller la payer là. Ah, mais je sais! C'est de l'autre côté qu'il fallait arriver! Putain, je suis arrivé du mauvais sens! Pourrico! Mais ouais, mais c'est parce que je suis arrivé du mauvais sens, chat! Ah, le Kono! Mais oui! Ceci explique cela! Mais ouais, je suis arrivé du mauvais sens, voyons. Voyons. En tout cas, ils ont coupé tous les arbres ici. Hein. Oh merde. Putain, l'ours là, t'as vu ou pas? Petit ours brun. Ours noir américain. T'as vu ou pas l'ours? Terrible le chat. Ours noir américain. Ok. Nice. C'est nice. L'ours Renoir. Ok. Bon. On va avancer et y arriver cette mission ou bien... Bon, José va me faire un Trafalgar là. Non, c'est bon. Je vais payer ma prime, excusez-moi, 5 balles, bon, 5 balles, ça va, ça va. Hello, sir. Ah merde, je me suis trompé. Warner. Bah, faut que je remonte en répute parce que j'ai tué... Tu veux boire un peu, José?
Vas-y, je vais te mettre ici, comme ça tu vas pouvoir boire, hein, quoi. Un peu, bon. L'eau m'a l'air un petit peu dégueulasse, hein, l'eau de la questionnette. L'eau croupie. Bon, franchement, tu bois ça, t'as une tourista, mon pote, de tous les diables. Hey, partner. Hello. Salut, une guilde, ça, mon pote. Hey there, partner. J'ai payé ma prime parce que je suis pas un voyou. Hey there. J'ai payé mon prime. Je claque mon prime, ok? Enfin, j'ai une prime de 5 balles, quoi. Comme un abo, en fait. Un suit abo et tu... payer le prime. 5 balles, ça va. Ça va, allez. Oh, dear. Have you come down with the flu as well, sir? Passe par là, toi, ou pas? No. What are you talking about? La grippe? Non, j'ai pas la grippe. Ah oui, c'est parce que j'ai une gueule de dégueulasse. Ah, je pense que j'ai une sale trogne, hein, franchement. J'ai une sacrée trogne de mec qui a chopé le typhus. Bubonique. Aviaire. Hello, sir? Afteuse. Enfin, ce genre de truc, tu vois. Hmm? Sérieusement, hein, c'est... Sir? Pas fifou, ce que j'ai. I'm not putting on a show for the whole town. Is there a man in this town who ain't a moron? Il y a un seul homme dans cette ville qui soit pas un crétin, bah moi. He's just scared. Good job's hard to find. A good job? Ouais, ça va ruiner les poumons pour quelques dollars par semaine. Peur ou pas, il va tout gâcher. Ça va ruiner les poumons. Bah attends, regarde madame. Regarde. Regarde, je te montre. Il y en a plein qui font ça dans la vraie vie. Et le pire, c'est qu'ils dépensent leur oseille. J'ai plus de clopes. Je vais m'allumer une guinze. Comment ça? J'ai abruti ou... Ah bah non, bah j'ai plus de guinze. Bah écoute. J'avais 20 clopes tout à l'heure, j'ai tout vendu. Bon bah merde, je voulais me fumer une clope pour lui montrer qu'il y en a qui payent cher pour s'abîmer... Pour... En fait, il y en a qui payent cher pour s'abîmer les poumons, et d'autres qui sont payés pour s'abîmer les poumons, t'imagines? C'est quoi le délire? Alors attends, parce que là du coup, je vais me faire avoir encore comme tout à l'heure, là, non? Faut pas que je monte là, en fait, faut que j'aille peut-être là-dedans. Bon, je vais attacher mon cheval ici. Oh, je vais pas t'acheter ton journal tout de suite, j'ai pas envie de lire. Ouh! Non mais je te jure, c'est vrai, il y en a qui sont payés pour se faire abîmer les poumons. Il y en a qui payent pour s'abîmer les poumons, tu vois. C'est là que je voulais en venir, en fait. Je pense que c'est là où il faut que j'aille, hein. C'est là-dedans, hein, non? Non, c'est pas là-dedans. Bah comment tu veux que j'aille? Je comprends pas. Head down. Edit down. C'est là-dedans. Où est-ce qu'il est, le PNJ? Moi, je vais avoir une prime encore sur le dos, hein. Je vais encore avoir une prime sur le... Ah, tiens, là. Je viens de le voir. Ah, elle est là! This is down. Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but I... T'as vu, j'ai un trou de balle dans le chapeau, t'as vu ou pas? Bonsoir madame Lizzie, la madame a l'air dans un mauvais état. Monsieur Virobert, vous êtes revenu. Vous avez pu faire toutes vos courses, monsieur Virobert. Vous avez des personnes âgées devant vous qui vous ont fait chier à la caisse parce qu'ils ont que ça à foutre, faire des courses à 18h. Ouais, carrément. Et dans un mauvais état, je pense qu'elle a pris un coup de soleil ou je sais pas. Elle a mangé du poisson pas frais, des sushis. Elle a commandé des sushis dans une pizzeria. Allez à la mine.
Oh bah, si je veux d'abord. Attends, c'est une prostie. Non. Elle vend son body, elle. Contre quelques pièces. Oh, la tristesse, quoi. Oh, il a failli se faire bouler, le gars. Le gars, il a failli se faire rouler dessus. Oh, le con. Ah, c'est con, un con. Ah, c'est vraiment super con, un con. Hello. Ah, ici, on peut acheter des armes, tiens. Tiens. Gun, pistol, là. Je vais voir si je peux pas dépenser mon fric, là, vite fait. Ouais, je suis rentré là-dedans, mon pote, comme Jaja. Oula, mais ils ont tous des sales gueules, ma parole. T'as vu ou pas? Petite musique, tout. On va encore se faire strike. Nettoyer mon arme. On va encore se faire strike par Twitch. Parce qu'on est, parce qu'il y a du son qui passe, t'sais, sur notre... live. Ah oui, j'avais déjà la nacrée, déjà. Ouais, non, mais du coup... Attends, composant. Mire de fer. Ah ouais, je me souviens de ça. Je me souviens de tous ces trucs-là. Munitions, j'ai déjà acheté. Je suis... bête. Pile, décoration, on a... Ouais, ok, jusque là, ouais. Carabine à répétition, voilà. You know, I could make a few adjustments to that. Get it right the way you like it. If any part of this weapon isn't to your liking, améliorer, lunettes. Right out. Maybe the frame. Non, je peux mettre des lunettes sur ça. Anything, really. Boss. Elle est plus stylée, celle-là. Protection. Ah ouais, une protection. Ouais, vas-y. Peut-être elle va moins salir en même temps, tu vois. Munition, j'en ai suffisamment. Carabine à répétition, revolver à double action, revolver Famber, c'est celui que j'ai. Regarde-toi là, c'est celui-là. T'as vu, c'est ça le gun. C'est le gun, regarde chat, c'est ça le gun. T'as vu, il est stylé, hein. Ici, regarde, il y a une tête de mort, là. Il y a une tête de mort, il y a un pic. Puis regarde, sur le barillet, là, il y a cœur, pic, carreau, trèfle. Franchement, c'est le pistolet de joueur de poker, you know. Bad Express, on va acheter. Bad Velocité, ok, je suis full. Cold Moron. Nettoyer l'arme. You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. Busy Springfield. Ah, le style. You have kept that perfectly maintained. I love to see that. You know, this weapon would look even more impressive with some engraving. What do you think? J'aime bien, ça fait un style un petit peu. Comme ça, j'aime bien. La petite musique posée, t'entends ou pas de chat? T'aimes bien ou quoi? Tu diffuses jusqu'à quelle heure? Je sais pas, jusqu'à temps que j'en puisse plus, que je peux plus, pourquoi? Bah, je pense qu'on est sur la dernière heure, peut-être, là. C'est super, ça. Je suis en vacances depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche, je vais me reposer. Ouais, monsieur Verbeer, nous expliquer. T'as raison. Ah, vas-y, je vais mettre un ours, tiens, sur la crosse. J'aime bien, sur sa stylée. The room next door is available if you need one for the night. It is probably the best room in this town. Ah bah non, c'est con, ça. We could change any components of this firearm you don't like. The trigger, the hammer, the barrel. Ok, c'est bien maintenant. Moi, ce que je veux, mon copain, ça serait... Non, mais j'aime pas celui-là. Well done. Ah, you have kept that perfectly maintained. I love to see that. You've kept that weapon looking as nice as the day you bought it. Well done. I could put some excellent engraving on this if you're interested.
J'arrive pas trop à savoir. Franchement, on voit pas beaucoup. Lex, ça fait un petit peu... ça fait un petit peu, tu sais, comme les t-shirts Johnny, tout ça, là, tu sais, avec un whisky et... je suis pas trop fan. Celui-là, vas-y, je vais prendre celui-là. T'es la référence, tu vois. Gravure. Incrustation. On voit pas. Ah! All the weapons here are regularly maintained and clean. Baroque, nouveau art, victorien. On va prendre victorien, tiens. Ah ouais, doré, ça fait stylé, ça fait vendeur de poudre. Ouais, stylé comme ça. Pour personnaliser le gun. Bon, du coup, ce qui est... c'est bien, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Quelque part. Moi, je veux des voir s'il y a une nouvelle arme à acheter. Comment on fait? Armure et catalogue. Voilà. Putain, et mec, 3 semaines. 3 semaines 50, toujours là. Oui, donc tout ça. Tout ça. Accessoire. Ah, mais en fait, ça va être la même chose que la dernière fois. Ouais, j'ai déjà tout acheté. On va acheter des flèches ou pas? Ça, c'est quoi ça? Fusil à peupon? Non. Oui, par contre, ça, on va racheter. Épuisé. Bah d'accord, ok. T'as plus rien à vendre, mon con. Mais c'est quoi cette boutique? Elle est à poil. Carabine, revolver, pistolet, accessoires, munitions. Oh, si, c'est bon, j'ai... Oh, on y retournera plus tard. Il me reste 5746 dollars. You know? Bon. Eh ben, José. Je me tire. On s'arrache. Ouais, on fait les choses de manière stylée, tu vois. C'est un geste barrière anciennement. Hello, mister. Personne touche à mon José. Le premier qui touche à mon José, je l'écartèle, je le fends de haut en bas. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Walker, t'es que ça se rende juste. Allez, on s'arrache. Hu, cocotte. Hey, Caroline Ingans. Prends une bise à Charles. Allez, hop, on s'arrache. Bonjour, Taillot. Saint-Louis, Saint-Denis. Non, là, je suis à je sais plus où, là. Je suis là. Annesburg. Je suis à Annesburg, Johannesburg. Non, Saint-Denis, c'est en dessous, c'est là. Saint-Denis. Le 9-3, et là, je suis dans le Nord. Je suis plus dans le Nord. C'est le Nord. Plus dans le Nord, là, de... Mine en transe. Bah voilà, c'est ça. Elle est sympa cette zone. Oula, il m'a l'air un peu full scare lui, non? Non, c'est bon. Ouais, il m'a l'air de pas avoir tous les radis dans le même panier. Entrer dans la mine. Ah! Hey boy! Hey boy, your mom's a whore, little boy. Contre-maître! Oh, your mom's a whore, that's a goddamn fact. Intervenir. Why don't you shut up? Oh. Who's this, your daddy? My daddy died. Who's your daddy? And this man, he killed him. What are you doing here? Je suis ton... Why did you kill his daddy? You after his mama? Il y a de la friture sur la ligne. Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Ça marche ou pas? Or I'll kill you too. You couldn't kill me. Oh, merde. Look at you all right. Regardez-vous, vous êtes au bout du rouleau. Je suis un boomer. Du balai, vieux crasseux, du balai. Vous et le fils de cette gare, de cette garce. Quoi, bagarre? Bagarre again. Attends. Y'a bagarre. Bim, bim, mon chapeau. Give him back to me. J'ai été entraîné par Mike Tyson et Mohamed Ali en même temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah putain d'enculé! Bim! Bim! Bougnaland! Bim! Qu'est-ce qui se passe? Bim! Est-ce que je peux avoir en retour le chat là? I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Why are you doing this? I don't know. Listen, take this, all of it.
d'avoir un retour. Allô? Bonsoir. Comment ça se passe? J'ai plus le retour, j'entends plus. Je m'entends plus, les amis. Moins 35 dollars. Bonsoir. Non mais est-ce qu'il y avait... Vous avez mué? Quoi, ma voix a changé encore, là? Ma voix est comment? Prendre le chapeau. Ma voix est comment, là? Attends. Bureau vert. Bureau vert. Comment ça marche? C'est bon, ça a marché. J'avais un souci en fait. Attends, je fais quelques réglages, ok? Ma voix muet qui dit. Il fait rigoler lui. Ok, du coup, si je fais ça, ça marche, voilà. Voilà, Luc, c'est ça que je voulais faire en fait, mais ça marchait pas parce que j'ai pas fait les bons réglages. Comprends-tu? Luc, je suis ton père, Luc. Bon, c'est connerie quoi. On rigole, mais. Voilà. C'est bon, ça va. Ça marchait pas, mais ça marche maintenant. Ok, monsieur, viens. Excusez-moi. Attends, est-ce que. Eh, je suis désolé, chat, je suis obligé de faire ça en même temps que je vous ai, parce que sinon je... Parce que sinon c'est un bordel. Non, en gros, si je fais ça, ça marche. Et si je fais ça, ça marche plus. Ok. C'est pour être sûr. Parce qu'en fait, je suis obligé de tester des choses, vu que j'ai eu des soucis dernièrement. J'ai eu des soucis de son dernièrement, et du coup, ça revient. Excusez-moi. Ok, bah du coup, je suis là. J'ai fait cette quête-là. J'ai fait bagarre, je me suis pris une bougna, une ribambelle de bougna dans la tronche. Ok. Et il faut que j'aille voir lui, là, tiens. Faut qu'on aille voir Henri Lemieux. On va aller voir Henri Lemieux, il veut que je passe par derrière. Il y a Sadie aussi, la copine de Bureau Vert à aller voir après, ok? On va aller voir Henri Lemieux et puis Sadie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est... José Bové, tananananana. Du coup, je vais essayer de faire les choses correctement. Ok, le chat, bonsoir. Bonsoir, Yono. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, monsieur Vire, il a dit que j'avais mué. J'avais la voix, j'ai la voix qui a mué, monsieur Vire, il a dit. C'est rigolo, quand même. Bon, parce que là, il me fait faire. Ouais, parce qu'en fait, il fait nuit, lui, il veut que je vienne le voir. Henri Lemieux, il veut que je vienne le voir. Chez lui. Oh. Il veut que je passe par derrière quand il fait nuit. Ouais, c'est pas des conneries, hein. C'est vrai que c'est ça ce qu'il veut. Il veut que je passe par derrière quand il fait nuit. Encore un gars qui a des choses à se reprocher, j'imagine. Sauf que moi, bah. C'est pas dans Brokeback Mountain, quoi. C'est quoi ça? Il y avait un point rouge là. On est pas dans Brokeback Mountain là, quelque part. Quelque part ici. Il y avait un point rouge ici, il y avait un ennemi, non? Easy, whoa. Attacher le cheval, non. Il n'y a pas un ours, un animal rare. Tchou-tchou! Tiens le poulard express! Tiens le poulard express qui arrive, là, qui est parti du pré-holard là! Tu-t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 u. Le mec se mêle les pinceaux, quoi. Le mec mélange tout. Bah alors? Bah alors quoi? Bah alors quoi,
Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Au secours, quelqu'un! Ils allaient te cramer le cul, mon pote! Hey! Cut me loose! Ah ouais, je te libérer! Ah ouais, tu m'as pris pour qui? I thought I'd die with these animals. You're my savior. T'inquiète, j'ai mis mon masque parce que j'ai pas envie d'être malade. Ils ont que des baies sur eux, ces mecs-là. Les mecs-là, ils mangent des graines, quoi. Ok, il ferait mieux de manger autre chose, qu'il va, il va crever. Enfin, il va crever, de toute façon, il est mort, quoi, tu me diras, mais... Ce genre de bordel, quoi. Tiens, il me redemande de... une mission, l'autre, là. Josetta, là. Ah, putain. Je vais être en retard, non, pour aller voir Henri Lemieux. Faut que je me dépêche, putain, faut que je me dépêche, j'ai tout ça à traverser pour aller voir Henri Lemieux. En tout cas, j'ai fait mon bon samaritain, t'as vu, je suis un mec bien, hein. Le mec, je l'ai sauvé, ils allaient lui brûler le cul. Ils allaient lui cuire la fesse gauche. Ça se passe bien. Oh oh. Flex. Ah, on arrive dans l'autre village là, l'autre ville, le petit peur là. Ok, ok, ok. On se souvient ici. On se souvient ici, j'ai pris une douche avec une. J'ai pris un bain avec une dame qui me. Qui me faisait des trucs bizarres. Elle me frottait entre les jambes, c'était suspect. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai fait un de ces sauts, mon pote! Le cirque par derrière! Waldelber! Aïe aïe aïe! Ah, je vais me prendre encore un panneau! Waldelber! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'ai fait un truc. On va se manger des petits pois ou on va se manger un. C'est quoi? Oiseau exotique cuit, tiens aussi, on va manger. Ouah, le truc de ouf, j'ai tapé. José, il a tapé un truc. Je crois que José, il a faim aussi parce que. On va lui donner une. Enfin, des biscuits à la menthe. Morceau de sucre, tiens. Ouah, José, il a tapé un bout de la remorque. J'ai volé, j'ai fait un soleil. Je suis passé par-dessus, mon José. Ma José, en fait. Parce que je dis mon José, mais c'est ma José, c'est une femelle que j'ai appelée José. J'arriverai pas à... Comment dire, à faire attention à ça. Et le temps que j'arrive, tu vas voir, il va faire jour. Le temps que j'arrive, il va faire jour, c'est sûr et certain. Go, my friend. Je vais pas le brosser pendant que je suis au galop quelque part. Quelque part dans la pampa du bayou. Il y a un feu de camp là. Il y a un camp. Bon après le mec il fait ce qu'il veut. On va pas aller voir non plus tous les feux de camp quoi non plus. On n'est pas là pour emmerder le monde. Par contre, on voit que dalle, hein, il y a des brouillards, hein, on se croirait comme chez moi ce matin. Ce matin, vers 9h, il y avait un brouillard comme ça, là. Horrible. Horrible. Les amis, horrible le brouillard comme ça.
Normalement, quand il y a un quand il y a du brouillard, c'est qu'il fait très froid. Et c'est aussi un gage de qu'il va faire beau ou il va y avoir du soleil l'après-midi. Et puis la dernière minute, lui. Enfin, la dernière seconde, même. Parce que la minute, je l'aurais anticipé, quoi. J'ai payé ma prime, c'est parti en couille aussi dans... Ah bah non, j'ai des conneries. Non, non, c'est pas parti en couille de... à Saint-Denis. À Saint-Denis, je suis bien vu ici. Je suis bien vu à Saint-Denis, moi. On m'aime bien à Saint-Denis. Il est 2h du mat, il fait 16 degrés à Saint-Denis. Allez, avance! Avance! Hey there. You, mister, excuse me. Allez, dépêche-toi, je vais pas arriver à l'heure. Je vais pas arriver à l'heure à mon rendez-vous, s'il vous plaît. Je vais aller voir Henri Lemieux. Il y a du monde pour 2h du matin dans les rues de Saint-Denis. Il y a toujours du monde à Saint-Denis, hein. Non, 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 non. C'est très bien que j'aime pas faire ça, le jeu. Tu sais très bien. J'ai la possibilité d'attacher mon cheval. Voilà. Ok, impeccable. Bah, je suis désolé, je marche sur la pelouse. Ceci est pelouse. Tu crois que si je fais ça, non? D'ailleurs, j'ai voulu sauter les escaliers là, en mode street. Oh, petit guide d'idéalisme et de pragmatisme 3. Ah, c'est le troisième épisode. Jean-Marc. Hello, Jean-Marc. Il n'y a personne qui te met une main dans le cul, Jean-Marc, pour que tu parles. Well, perhaps true, but not the whole truth. Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me. Back to life. It probably shall. Yes. Ah, I have two copies of this book. This is an old field guide. Might be of some interest to you. Maybe not. Trust to you. Please have it. Trust me. Trust me, my chap. Thank you. My pleasure. Listen, Mr. Arthur. I'm sorry to ask this of you. Il est quand même de plus en plus stylé, mon cowboy. Well, Crowboy, Jean-Marc. I'm afraid he's going to open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no. Ah, pas sûr que non. Of course not. Of course? Pas sûr que non, que bien sûr, évidemment que non. Also found out some unsettling embarrassante about le sujet. Il a appris des choses embarrassantes. Ah ouais? Lies, of course. J'ai plus de cigarettes, donne-moi une tige, là. I do not talk about idle gossip. Pas les ragots. Please, I'm a public servant. Les ragots de moutons. Where do I find him? Well, he does live over on rue de Zachary. Rue de Zachary. Mais là, le mec parle français avec un accent comme moi anglais. T'es. Examinez le document. Alors, ferme champ et fauconnerie par Georges T. Duval. Surpris par l'obstination que je décelais dans sa voix, un homme sachant manier habilement une pelle peut semer plusieurs rangées au cours d'une seule journée de printemps. Avant de se coucher, la nuit venue, les sourcils encore humides de sueur, en pensant aux semaines à venir où il devra accomplir encore et encore la même tâche. Un homme sachant manier tout aussi habilement la plume peut quant à lui jouir de meilleurs revenus et d'une vie insouciante. Assis à l'ombre, non loin de l'homme, à la pelle, travaille pour lui. Transpirant à peine alors qu'il couche sur le papier ses pensées sur la fleur, la faune, la ferme et les champs. Après vous avoir captivé en relatant sur le plus de 100 pages, sur plus de 100 pages, le fascinant récit de mon éducation et les anecdotes désopilantes de mes diverses erreurs en matière de cueillette et de stage, je vais maintenant partager avec vous quelques sages préceptes sur la bonne manière de pister et dépecer les animaux, ainsi que des conseils sur le travail à la ferme et les réflexions personnelles sur les joies de la fauconnerie et l'observation des oiseaux.
point abordé. Le pistage des animaux. Ok, abeille, une grande partie de cette bat les couilles. Ok. Ouais, on lit un petit peu, puis après, il y a un moment, fuck off, quoi. Du coup. Le point, l'objectif, et il est... Et par où ? Il faut aller par là. Destination... Saint-Denis ! Puis à moi, Saint-Denis. Et hop, c'est parti, let's go. Allez, cours, Arthur, cours, mon ami. Cours, mon ami Arthur. Arthur ! Cours. On peut faire ce genre de truc ou pas ? Le chat. Arthur, pas changer assiette pour fromage. Hey there, girl. À qui la grande maison ? Le maire de Saint-Denis. C'est le maire de Saint-Denis, ici. Putain, je me suis pris l'arbre. Hey there, salut le bleu. Je me suis pris l'arbre en partant. Je suis parti sur les chapeaux de Rooks. Je suis parti sur les chapeaux d'un roux. Confronté Jean-Marc. Why you wanna go and say those awful things about me, buddy? Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. This is gonna hurt, but it's for the best. Ça va mal se passer, Jean-Marc. Et ouais, d'habitude on met une main dans ton cul pour te faire parler. La situation est-elle connue ? Ah bah oui, c'est connu, monsieur. Viens, arrêtez. Attendez. Faut que je me fasse tricard par la police, par contre. Merde. Il y a un mec au coin de la rue là. Je crois qu'il faut que je passe dans le parc. Attends, mais il y a un flic là, il y en a un là. Je crois qu'il faut que je passe dans le parc, faut que j'aille là. Au final, si je fais tout le tour comme ça, on s'en balèque. Si je passe par là, est-ce que tu crois que je peux passer par là ? Ouais, je peux sortir de la maison de l'autre côté, regarde, il y a un chemin. L'autre, il a un banc face au mur, quoi. Il n'y a que les riches qui peuvent se payer ça, quoi. Un banc face au mur. Qui fait ça ? Qui se construit un banc face au mur ? C'est Hitman, lol. Je me prends la tête, hein, sans doute, chat, non ? Je vais faire tout ça, là, pour après l'amener là. Moi, c'est mon genre d'infiltration, c'est ça. Hein. C'est pour les enfants punis. Ah oui, d'accord, tu te mettras assis devant le mur. Le banc, ok. Tu paries combien que pour avoir la médaille d'or, il faut l'amener en une minute, le truc, là ? Je vais pas pouvoir passer. Hey, les connards ! Vous pouvez faire griller un porcelain, s'il vous plaît ? Enfoiré. Ah, si. Si, je peux passer, je baise le game. Allez, connard ! Mais monsieur Vurvert, il a jamais peut-être regardé Kaamelott, hein. Vous connaissez pas Kaamelott, monsieur ? Monsieur Vurvert, vous n'avez la référence ? Ah si, il y a un flic là. Un mec de la police là.
Si personne me voit, ni vu ni connu, personne me voit, je transporte Jean-Marc. Ou je passe par la porte de devant, tu penses? Quick, Mr. Arthur, bring him around the back. Suivez le maire. Monsieur le maire! C'est la maire de Saint-Denis. Oh, Jean-Marc, Jean-Marc. I've missed you. I've missed you. What silly. Tu vas me manquer. Oula, ça va mal se passer. Jean-Marc va finir en apéritube. Aïe, aïe, aïe. Je regardais un peu quand ça passait à la télévision. Mais ça passe tout le temps, la télévision. Ça fait au moins 5 ans que ça passe tous les lundis soirs ou tout, je sais plus quoi, sur la... Mais la télévision, c'est les vieux qui regardent la télé, normalement. C'est pas... C'est tous ceux qui sont nés avant l'an 2000 qui regardent la télévision. Oh, le grand vieux Robert connaît forcément Kaamelott. Ici, on est sorti du sable. Déposer Jean-Marc près du maire, au mieux. Ah, ça croque. My brother, my brother. My brother, my brother. We've been so... I promised to change. I know. Ah, what a silly, silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Yes. And you say you've changed, so we will run the city like men of honor, like you said. Of course. We will strive to improve the city's moral backbone by any means available to us. Within reason, yes. Ça, c'est bien les hommes, tu vois. Le maire. Le maire, il est vraiment dans son rôle d'enfoiré. Un enfoiré. And I will save you from yourself. Because it's better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly, utterly corrupted, Lemieux. You've not changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, naivete. Oh, I long for the luxury. Ah, ça se dit pas en anglais. Such as you. Ça se dit en anglais, naïveté. Lol. I see now. Elle est belle là, quoi. La bicoque. J'ai récupéré quoi? Des choix de visionnage. Oh. La vanité. Now, sir, I am afraid that you must kill him. I will pay you handsomely. And Jean-Marc, I will miss you. Tu vas me manquer, le frère toxique. Lol. Je te passe en 720. Vas-y, vas-y, passe-moi en tout ce que tu peux. En tout ce que tu veux. Je suis là pour vous. Thought I might. But all I did was love too much. Love. My duty. Yeah, but you're running your I'll mouth leave you about out of me, it. Buddy. And him. He'll betray you just like he's betrayed me. Lemieux is a foul rat. But I'm a man of my word. Il va falloir que je fasse un choix, les amis. Je le tue ou pas? I'll destroy him. Vas-y, si je tue Jean-Marc ou regagner votre arme, laissez la vie sauve. Comment ça, non? Je le tue ou je le tue pas? Laissez partir ou pas? Pas de meurtre, merde. Laissez partir. Non, pas de meurtre. Vas-y, je le laisse partir. Yes, médaille d'or, tout. Oh, on l'a eu en or. Laissez-le partir. Non, t'inquiète. Waouh, les amis, on l'a claqué en médaille d'or. PGM. Ce genre de bordel incroyable. La force t'a battu le côté obscur. Yeah, baby. Ah, c'est cool, ça. Ah, c'est cool, ça. Je pensais que j'aurais craqué du coton. Incroyable! On va aller faire notre Sadie système. On va aller voir Sadie, la copine à Virovert, ok? La copine de Virovert. Si on parle français, c'est comme ça qu'on dit les choses normalement.
la copine à Virovert, la copine de Virovert. Maintenant, faut aller voir le maire. Non, bah le maire, lui, il reste planqué, parachute doré, dans ses appartements de luxe. Il est dans ses appartements de luxe. Par contre, faut que je range mon arme parce que... Ouais, voilà. Il est dans ses appartements de luxe, le maire. Bah, il est où, mon José? Ah, mon José, il est resté là-bas. Est-ce que si je siffle, tu crois qu'il va venir ou pas? Il arrive là, regarde. Il arrive tel un cheval au galop. La prouesse. Et le crin dans le vent. Ce genre de profil effilé, effiloché. Profil effiloché de bœuf. Ok, there, girl. Who's that girl? Nan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 
Arthur Taylor. Taylor what? She ain't coming with us to collect her husband. Abigail, you ain't coming. That's the end of the matter. See, there you heard him. Now let's go. But nothing. It'll be quicker and on a fait une mission avec avec elle, avec Sally. On était en montgolfière. On était en montgolfière. On a fait un truc qui était ouf. On se souvient. On se souvient, c'était un lundi soir. Non, c'est pas vrai. C'est pas un lundi soir, c'était quand? C'était vendredi? Non, c'est pas vendredi, c'était quand? Mercredi. Mercredi dernier, on a fait ça. Ah oui, j'ai pas joué à Red Dead depuis mercredi dernier, ça veut dire. Viens, toi, Liu. Ah, d'accord, tu te fais pas chier. Tu laisses virer au vert, repagayer, quoi. Salut. Sally night. All we gotta do is take out all the guards and row our way out of there. Seems simple enough. How many times? Oh, on n'est pas sorti de l'auberge là. On n'est pas sorti du sable. Je vais aller libérer mon collègue qui est sur la l'île, la prison qui est là. Okay, bring us over. Qui sommes-nous? We good? Ouais, t'as forcément de la terre dans les yeux parce que vu comment t'es sale. Let's head for that watchtower. Okay. Stay low. Il est où mon fusil stylé? J'ai pas les fusils que. Allez au mirador. Ok. J'aime bien cette arme là. Éliminer le garde. Ah mais sans faire de bruit, je suppose, non? J'ai pas mon couteau de boucher? Oh merde. Encore une vieille mouche. Va lui mettre un coup de couteau. Je peux pas prendre ton cadavre pour Ah, je peux pas prendre ton cadavre? Alright. Where's John? Ah non, non, non. Hey, I think I see him. There's a group in front of that barn, just to our right. Ah, yeah. I see two guards. Okay, take them out and let's go get our boy. Okay. Ouais, mais éliminer les gardes, tu penses qu'il faut que j'en mette une balle de snipe d'ici là? Move over, will you? Ouais, bah t'inquiète pas, zadiste. Take the shot, Arthur. Attends de jouer, Arthur. Ouais, je pense qu'il faut que je leur colle une cartouche. Ouais. C'est fusil à verrou. Est-ce que de là je peux les avoir? Ah, de là c'est chaud, non. Faut que je prenne cette arme là. Merde, je crois que c'est pas. Ah, comme par hasard! Vas-y, on s'arrache! On s'arrache! Il a sonné l'alerte, tout! Inspecter le champ! Non, on s'arrache! Oh non, t'es trace, hein! Dépêche-toi si tu... Quoi? Ben, oh. T'es gentil, Come on, Arthur. Let's keep moving. Faut pas s'arrêter. You see him? No. You. T'as même pas de balle dans ton gun, c'est un faux. Il est en carton, ton flingue. He ain't working today. Oh. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Évidemment, évidemment. Now,
Évidemment, la classe internationale. Where's John Marston? He ain't in the work detail. John Marston, je crois que c'est le perso qu'on est dans Red Dead 1. Dans Red Dead 1, je crois qu'on joue John Marston. Approchez-vous de la prison. T'es sérieux? C'est ça la mission qu'on est en train de faire? Excuse me? Demande pardon à la dame. Faut dire toujours pardon aux dames, sauf si la dame est conne. Si la dame est conne et pénible, tu lui dis pas pardon. Mais il faut respecter les dames. Vers l'entrée, je dirais. Faut toujours dire pardon à une dame. Sauf si c'est une mauvaise dame. Heston Jameson. Is he a nice fella? He's been quite an exacting boss at times. C'est pénible d'avancer comme ça là. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. Sur le pont, tu l'as vu, copine de Vie Robert. Tes collègues qui t'apprécient? Non, c'est ce qu'on va voir. Pas vraiment. On va t'être fixé. Mais toi, tu passes devant comme ça? Attends. J'ai trop envie d'appuyer sur le clic gauche, tu sais. Mais je sais pas ce que ça va faire. Ok, friend, be cool now. Just do as I say. Drop the goddamn guns! Voilà, comment ça se passe? Il y a un mec à droite, deux mecs à gauche. En haut à droite, il y a un mec en haut à droite. Jameson! Is Jameson in? He's in South Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. One. Two. Three. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From one or four, oh, sir? Very funny. No, we must be at 11 by now. 11. 12. 13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now hurry up. 18, 18. Well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards! Come on! Don't cry, buddy. Oh, comme par hasard, il se met à tomber de la pluie, de l'orage et tout. Oh non! Hey, Jack, non! C'est aussi facile que ça? LOL, c'est incroyable, chat. Et je suis écœuré parce que j'aurais jamais cru que ça soit aussi. Ah, attends, c'est pas fini. Hop, un petit cadeau. Ah, putain, il m'énerve le gameplay là. Quand c'est lent comme ça, ça me stresse, je jure.
Coming from the board. Let's go. Putain, là, j'ai une M6 là. OMG, là, j'ai la M6 là. Joueur pro e-sport là. J'ai perdu un répute là, c'est quoi l'organisation? Pourquoi j'ai perdu un point de répute là? Vas-y, on s'arrache. On va repartir en barque là, t'es sérieux? D'habitude, je râle sur la visée. Là, je pense que j'ai la bonne arme. Cette arme-là, je l'aime bien, je trouve. Sauf que je suis. J'ai un bon feeling avec ce fusil Lancaster. Je sais pas si j'ai mis beaucoup de tête par contre. On va manger du chicken, il a dit. J'ai tellement rouge quoi. Albinos quoi, c'est plus Arthur qu'on va m'appeler. Hey, Arthur. Redman. Thank you. Yo. Let's go. Monter à cheval, non. C'est vrai? Ah, je pensais qu'on conduisait les avions, moi. Suivez Sandy jusqu'à Beaver. Beaver, Justin Beaver. She managed to escape when they got Hosea. Hosea. That still don't seem. Du coup, on a réussi à échapper, Bobby. All them years, Arthur. He was like family. Yeah, we lost young Lenny too. No. What a goddamn mess. And then we... What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. Deep what? Ocean. Fond de l'océan, c'est deep. Deep ocean. We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went on entend le vent souffler dans les arbres, tout, c'est incroyable ce jeu. We ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Le jeu est incroyable. Vous entendez le chat, le vent souffler dans les feuilles, dans les arbres, là? Le jeu est malade. Le jeu est malade mental au niveau de la réalisation. Pas déconner, hein, je crois que j'ai jamais joué à un jeu aussi ouf de ma vie. Seems Molly ratted us out, the bitch. So she's dead too. Jesus! Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, j'ai besoin de personne, moi. When they grabbed me, he saw it. Felt almost like he had a... A moment to do something and didn't. The Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more.
Guess not. Brought him back to me. We told you we would. John! What are you doing here? It's good to see you too, partner. I meant I hadn't sent for you yet. I went. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur. Normal, normal. I had a goddamn plan! John. You are my brother. You are my son. I was coming for you. Get up, ouais, t'as vu. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. And now they may come and hang us all. Qu'est-ce qu'il est pas content, lui? C'est vraiment un sale con, Dutch. Hein. Vraiment un putain de sale con. Ah, je suis vulgaire, mais je pense que mes propos sont assez posés, quand même. Pas ce chapeau là. Arthur. Oh, sorry. I was miles away, thinking of. Par contre, j'ai une sale gueule. On dirait que j'ai fait de la motocross. I just had to tell you, he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Cornwall. T'as une boucle dans les cheveux, elle. Thanks, man. Comment il s'est fait ça à cette époque-là, là, des Big Woody quoi? Médaille de bronze ? Oh là là, j'ai encore oublié des têtes, tu vas voir. Les deux gardiens d'un tir en pleine tête depuis le Mirador. Oh, j'ai pas fait deux têtes. Puyé jusqu'au bateau au moins de 2 minutes 45. Ah mais ça, j'étais obligé d'attendre les mobs. J'étais obligé d'attendre les PNJ qui étaient avec moi. Terminer la mission au moins de 9 minutes. Putain, j'ai mis 10 minutes pour la faire, voire plus. Terminer avec une précision. Attends, tu te fous de ma gueule. Le jeu se fout de ma gueule. Terminer la mission sans utiliser de soins. Mais c'était rare que je me heal, que je me soigne, ok? Jusque-là, tu vois. Mais là, terminer avec 80 de précision, je suis désolé, le chat, vous avez vu, j'ai quand même envoyé du lourd, j'ai quand même envoyé du sale au niveau de la précision. Les 80%, j'étais sûr de les avoir. Terminer la mission en 10 minutes. Bon, évidemment que ça, je t'avoue que j'ai pas trop, dans mes souvenirs, le temps, j'ai pas trop la notion du temps. Admettons. Fuyer jusqu'au bateau au moins de 2 minutes 45. Vu qu'on s'est cover deux fois, on a perdu du temps. Là, j'aurais pas cru que ça soit possible. Tuer les deux gardiens d'un tir en pleine tête depuis le Mirador, ça, je suis complètement... C'est de ma faute. Le deuxième, je l'ai pas eu à la tête, ou le premier. Il y en a un des deux que j'ai pas eu à la tête, mais j'en ai au moins headshoté un. Ouais, c'est vrai. Bon, bye. C'est comme ça, et puis c'est tout. Professeur Folding, il est là. Bon, du coup, au moins, ça me permet de voir le camp de joueurs. Oh, un petit gamin. Javier. Hey, Arthur. Y a pas moyen de prendre un bain ici. On n'a pas le droit de prendre de bain ici. Hein. Things are gonna be okay, Jack. Can I go play in the game? Y a pas de bain ni rien ici. Hein. C'est vraiment Bankrupt City. Hein. Bon, après, le camp, il est pas trop mal placé par rapport à d'habitude, j'ai envie de te dire. On peut pas casier d'armes, changer de vêtements. Qu'est-ce que t'as ? Ah, c'est toi, Gronibar. C'est elle qui a mis un coup de fusil à pompe, là, c'est Gronibar. Suzanne, voilà, j'avais oublié, j'ai dit Gronibar, parce que toi, c'est Suzanne qu'elle s'appelle. J'avais oublié.
On va dire qu'elle a une... elle a une devanture généreuse. Ah, qui ne déplaît pas à Monsieur Virovert. Un vrai homme. Change de vêtements, voilà. Mais ouais, je voulais mon chapeau. J'ai un chapeau, voilà. Attends, je l'ai pas. Fous de ma gueule. Pourquoi il y a deux trous dedans, chaque fois. Tu te fous de ma gueule. Ils disent que le truc avait été mis chapeau haut. Ouais, bon, au final, je t'avoue que... Il y a un vieux bug avec deux trous là-haut. Bon, ben, au final, je t'avoue, je garde celui-là. Alors. Ah, mais attends, non, chapeau haut. Je vais pas changer la couleur du chapeau haut. Pas de chapeau, pas de chapeau, pas de chapeau. Je veux pas qu'il reste sur mon châle, celui-ci. Attends, le chapeau haut, c'est ça ? Ouais, si, je le garde, allez. Je le garde pour le trip. Je ne dispose aucune tenue adaptée au froid sur votre châle. Oui, non mais ça, ok, par rapport à ça, ok. What the hell is going on around here? Dutch is crazy as a cat herder. Mike and Bill turning all kinds of maintenant. Ah ben voilà. On va se coucher, il a dit. Il a dit qu'on va se coucher, c'est à partir de concernant, de maintenant, de désormais, de maintenant, meilleur jeu du monde. Red Dead Redemption 2, meilleur jeu, les amis, le chat, Twitch, YouTube. C'était incroyable. On n'est pas mort une seule fois. On a fait une session, on n'est pas mort une seule fois. J'ai envie de vous dire, on va se faire un petit uptime pour le professionnalisme du détail. On est sur 4 heures de live, on n'est pas mort une seule fois, on a fait pas mal de missions. C'était plus ou moins intéressant, c'est plus ou moins sympa. Il s'est passé pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Ok, my friend. Du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là à partir de concernant de désormais, de maintenant. J'espère que ça a sauvegardé. Progression, on en est où? 65%, 61% au total, 65% de l'histoire et 61% au total, tu vois. Bon, c'est pas trop dégueulasse, quoi. On a fait un truc qui était pas dégueu, hein. Histoire. Sauvegarder. Du coup, là, il nous dit, ici, si je prends celle-là, ça va rebugger pour la prochaine fois, mais c'est pas grave. 61%, c'est bien ça. J'en étais à celui-là aussi. Celui-là, je sais pas pourquoi, c'est une autre sauvegarde, mais je garde celle-là. Donc, ok. 61%, ça va, c'est pas mal. On s'est bien démerdé. Ok, le chat Twitch YouTube. Merci. Merci d'avoir regardé, merci à vous tous, Twitch, YouTube, le chat, à bientôt, merci, ciao, n'oubliez pas, jeux vidéo, c'est que jeux vidéo, on se retrouve bientôt, le chat, Twitch, YouTube, ciao les amis.